Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir chez vous, Gérard Miller, Stevie Boulet, Philippe Vandel, Jean-Bernard Hévé, Isabelle Alonso et Christine Bravo. C'est la première fois, depuis très longtemps, c'est la première fois que vous êtes minoritaire. On n'a que deux femmes dans cette émission aujourd'hui. Deux et demi. Mais quel... Heureusement que c'est lui qui l'a fait. Il n'y a que lui qui peut le faire. Bah oui, attends. Deux et demi, Stevie, je trouve que tu es un petit peu injurieux avec Christine Bravo qui a beaucoup maigri. Hein, non, mais alors, dites donc. Je ne vous avais pas encore vu. Là, il est très serré. Alors, quelle taille vous avez, Isabelle? C'est incroyable. Belle liposuction. J'ai l'impression que vous n'allez pas bien, Christine. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai fait un petit week-end dans le Midi, à Toulon. J'ai mangé avec une toute la marine. La trouée est en elle. Il n'y a pas de doute. Moi, je comprends pourquoi on fait de bons scores en ce moment. Pourquoi les gens regarderaient la ferme alors qu'on a tout ce qu'il faut ici? Toi, t'as eu le temps d'aller dans le sud, toi. Moi, je me suis tapé 2 livres à lire. Enfin, je dois lire moins vite que toi, mais... Mais attends, on peut lire dans le sud. Quand t'as 2 livres à lire, tu ne pars pas en voyage. Allez, passons à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de la journaliste de Libération, évidemment, Florence Aubenas, enfin libérée après 157 jours de captivité, de détention en Irak. Ça a dû lui faire drôle, quand même, d'apprendre que Jean-Pierre Raffarin et Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères, avaient été libérés 2 semaines avant elle. Il était temps qu'elle rentre, de toute façon, parce que Serge Julie, otage du oui au sein de son journal, avait l'intention d'envoyer tous les journalistes qui ont voté non comme correspondants permanents à Bagdad. C'est des belles images. Ouais, c'était très très bien. Le président Chirac, en tout cas, a lui-même accueilli hier soir Florence Aubenas à l'aéroport de Villacoublay, avant ce matin même d'aller inaugurer le salon du Bourget. Comme quoi, on aurait dû faire revenir Florence Aubenas en Airbus 380, ça lui aurait fait gagner un déplacement au président. Jean-Bernard. Professionnellement, c'était assez intéressant parce que Libération a fait sa gloire au début sur ses titres qui étaient absolument formidables. Donc on a vu la une de Libération qui est assez anodine, enfin c'est une photo d'elle et de son guide, il y a marqué « Merci ». Et puis le nouveau Libération, entre guillemets, c'est 20 minutes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On peut voir la une de 20 minutes. Ah bah j'en ai prise justement. Libération, c'est un formidable titre et c'est un formidable pied de nez journalistique. La libération, en tout cas, de Florence Aubenas ne doit pas faire oublier tous ceux, n'est-ce pas Gérard, qui sont encore détenus en otage un peu partout dans le monde, comme par exemple Régine dans la ferme de Visan, par exemple. Mais personne ne veut payer la rançon. Mais elle a l'air très très mal, hein. Parce que croyez-moi, le jour où elle va être libérée, ça va faire du bruit, là. Non, évidemment, il y en a d'autres. Oui, je croyais que vous étiez sérieux. Mais là, oui, j'ai fait exprès, je vous ai bien piégé. Oui, absolument. J'allais prendre mon air grave, et là, tout d'un coup, pof, vous m'envoyez en pleine figure Régine, ce qui, je dois dire, est quand même pas un cadeau. C'est grave. Et évidemment, dans le fond, je pensais à Ingrid Betancourt, ouais, détenue en Colombie, toujours après 3 ans, hein, 3 ans de détention. Allez, une autre photo, celle du nouveau couple du week-end, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Une idylle à la tête du gouvernement, titré ironiquement France Soir ce matin. Bon, c'est un couple qui va durer sûrement moins longtemps que le couple Nicolas et Cécilia, mais ça fait plaisir à voir. Monsieur de Villepin a même déclaré, je cite notre Premier ministre, « Nous sommes tous fiers de notre président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, parce qu'il mouille sa chemise pour nous et notre pays. C'est un homme d'énergie, un homme de talent. C'est une chance immense de l'avoir au sein du gouvernement. » Bref, la semaine dernière, Sarkozy a dû lire le discours du Premier ministre devant le Sénat. Ce week-end, manifestement, c'était au tour de Villepin de lire un discours écrit par Nicolas Sarkozy. Ah oui, là, c'est un truc aussi, le président du MP et notre ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Après, il va nous en vouloir si on continue à se moquer des mésaventures ou de sa situation familiale. Mais je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est dans le Parisien ce matin. À un moment donné, alors qu'il était en plein discours, son téléphone portable a sonné. J'imagine que tout ça a été préparé. Il a décroché son portable, il a raccroché, il a dit « C'était Cécilia ».
qui n'était pas là, évidemment, pendant ce week-end. Alors, je trouve que c'est quand même vraiment dans le genre opération. Oui, oui, ma femme est toujours avec moi. Ouais. Ou alors, c'est encore plus pathétique que ça. C'est comme dans Tandem, le type qui fait croire qu'il a des amis, qu'il a une femme, mais en fait, il la joue pour la presse. Enfin voilà, un bon couple, monsieur De Villepin et Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, ils font même couple sur Internet, puisque circule actuellement une affiche sur Internet qui fait bien rire tout le monde. Je vous laisse regarder. Voilà la grande embrouille, Sarkozy et Villepin. Une autre photo maintenant, à gauche, Arnaud Montebourg qui a déclaré ce week-end « Solferino n'est plus le nom d'une victoire, c'est le surnom d'un blockhouse administré par des autruches ». Eh oui, d'après lui, le PS est devenu un nid d'autruches. Bah, comme ça, il y a une candidate toute désignée pour 2007, c'est elle. Hein. Une autre photo, celle d'Yvette Horner, dont le Parisien nous révélait ce week-end que la reine de la Musette avait vendu sa célèbre maison de Nogent-sur-Marne pour emménager à Paris dans une résidence pour personnes âgées, et oui, dans une maison de retraite. En plus, c'est bien, parce qu'avec le soufflet de l'accordéon, pas besoin de brumisateur cet été, elle pourra faire suffisamment d'air pour tout l'hospice. À 83 ans, Yvette a heureusement toujours la pêche, puisqu'elle nous annonce qu'elle prépare un album, une tournée, même le Zénith en octobre prochain. Et après, on ira nous dire qu'il n'y a pas de dopage sur le Tour de France. C'est très très rare que les gens célèbres rentrent dans des maisons de retraite. Mais c'est vachement bien, ça fait une bonne pub aux maisons de retraite. C'est très très bien, mais c'est la première fois. Il y a les Chirac à l'Élysée. Je crois bien que c'est la première fois qu'on entend qu'une célébrité rentre dans une maison ça, c'est vrai. De retraite. Ouais. Bah, jamais entendu ça avant. Puis il faut une équipe pour lui faire ses couleurs en plus. Hein. Ouais. Ça, il paraît qu'elle s'engueule quand même avec sa voisine de palier, Jeanne Moreau, qui... Une autre photo, celle du caméléon de son vrai nom, Frédéric Bourdin, qui a 31 ans, a réussi ce truc incroyable de se faire passer pour un élève de 15 ans dans un collège de Pau pendant un mois, à 31 ans. C'est dire si les profs font vachement attention aux élèves. Hein. Si pendant un mois, personne n'a été surpris de voir un type de 30 ans dans une classe de collège, c'est que vraiment le niveau scolaire doit être au top en ce moment. Heureusement que c'est Gilles de Robien qui a récupéré l'éducation nationale. Il va pouvoir installer des radars dans la cour de récréation pour flasher ceux qui ont dépassé l'âge. Hein. Ça, c'est énorme. Est-ce que c'est bien dangereux? Est-ce que c'est bien méchant? Il n'est pas dangereux, ce garçon. Pourquoi on ne le laisse pas tranquille, faire croire qu'il a... Je sais pas. J'arrive pas à être scandalisée par ça, moi. Moi, ça serait mon pire cauchemar, tu vois, de me remettre dans une classe... Et le pire cauchemar de tes professeurs. Ah, oui. Mon pire cauchemar. Notez bien que dans le genre caméléon, l'ex-ministre de l'Éducation lui-même, M. François Fillon, n'est pas mal non plus. Marianne nous le rappelle ce matin, gaulliste proche de Seguin du temps de Philippe Seguin, baladurien du temps d'Édouard Balladur, chiracien après la défaite d'Édouard Balladur, puis sarkozien maintenant que Chirac l'a laissé tomber. Mais en voilà un qui ferait bien de passer au plus vite dans le bureau du conseiller d'orientation. Hein. On termine par le rugby et la victoire de Biarritz contre le Stade français en finale du top 16. Bon, le match, paraît-il, était un peu dur. Hein. Il y a eu plus de coups pendant ce match de rugby que durant le combat de Mike Tyson. Et là, évidemment, les Parisiens ont été désavantagés par rapport aux Biarros. Hein. Il faut quand même qu'ils fassent attention, les Parisiens, à leur physique. Et ils ont les photos du calendrier 2006 à faire pendant l'été. Hein. Christine, viens. J'ai pas regardé le match, je suis désolée, donc j'ai rien à dire, non. Ok. J'ai pas regardé. Ça fait 6 virées pour la rentrée, Catherine, tu notes. Non. Vandel. Moi, j'ai pas regardé, mais je suis très triste. Moi, je suis triste pour les Parisiens qui ont perdu deux fois de suite en finale. Ça va, la Coupe de France reste en France, on va pas non plus... Qui perd la Coupe du Monde, qui gagne, qui perd la Coupe du Monde. Là, ça fait chier, mais bon, là, c'est en France. Ne dites rien, Stevie, ce n'est pas une Coupe de France. Qu'est-ce qui gagne? Bah, c'est la ceinture, le bouclier, là, le machin. Là. Très bien, le bouclier de... D'or, de bronze. Non, de... D'étain. Attendez, on va l'aider, ça rime avec anus. De Branus. Le bouclier de Brennus. Bravo, Stevie. Le 3 juin est sorti le Chevalier de Saint-Hermine,
aux éditions Phébus, le dernier roman écrit par Alexandre Dumas est demeuré inédit jusqu'à ce jour. C'est Claude Chop, un docteur en littérature, grand spécialiste d'Alexandre Dumas, qui a retrouvé ce texte, publié à l'époque en feuilleton dans un quotidien, c'était en 1869, et il a repris, corrigé et complété ce feuilleton de Dumas pour en faire, par Roland à Alexandre, pour en faire ce livre. Bien qu'inachevé, le texte dépasse largement 1000 pages. J'espère que vous tous, vous avez lu ce livre ce week-end. Hein. Je vais faire une interrogation écrite, on va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, je vois pas l'intérêt de lire un bouquin qui n'est pas fini. Si vous aviez lu le livre, vous sauriez que Claude Chop a fait la fin de ce livre. Oui. Accueillons-le tout de suite sur ce plateau. Ça. Voici Claude Chop. Bonjour. Oui, tout de suite, rassurez tout le monde, hein. Il y a une fin à ce livre. Oui, non, il n'y a pas une fin à ce livre. Non, 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 j'ai terminé seulement un épisode. Oui, c'est ça, vous avez non, terminé. Non, mais je crois qu'au contraire, un roman qui n'est pas fini, c'est une carrière pour l'imagination. Pourquoi vous avez écrit vous-même une fin? Pourquoi ne pas l'avoir laissé comme ça, trois petits points, et là, on n'a plus rien? Non, mais j'ai mis quelques italiques parce que l'épisode parlait d'un bandit italien et j'ai retrouvé la mort de ce bandit italien dans un autre texte de Dumas. Il n'y avait aucune raison pour ne pas compléter Dumas selon ses ordres. Et vous savez qu'il avait des nègres. Je me suis considéré comme le dernier nègre. Ça veut dire que vous avez retrouvé, donc, petit à petit, morceau par morceau, oui, ce texte, oui, dans un journal de l'époque, mmh, où il était publié sous forme de feuilleton, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, comment vous avez su que ce feuilleton existait? Bah, vous savez, parce que, dans la mesure où ça fait 35 ans que je travaille sur les textes de Dumas, j'ai trouvé un document, et donc, à partir de ce petit morceau, j'ai fait une recherche assez longue. Christine et puis Jean-Bernard. Moi j'aimerais bien parce que vous dites que en fait ça aurait, s'il avait vécu aujourd'hui, ça serait un people, il serait dans tous les canards gala, tout ça, parce que c'était un obsédé sexuel. Donc j'aimerais bien que vous me parliez justement, vous nous parliez comme ça du personnage de people, de qui c'était, pour donner éventuellement aux gens l'envie de d'aller vers Dumas. Bah, c'était peut-être sans doute comme la plupart des people, c'est quelqu'un qui s'est créé une légende. Il a voulu respecter sa légende. Donc effectivement, ce que vous dites là, c'est sa légende qui est faite. C'est quelqu'un qui a eu la politesse de cacher toutes ses douleurs. C'est-à-dire, il a vécu léger. Ce gros homme a vécu très très léger. C'était essentiellement un dépensier pour qui le présent avait aucune importance. Riche. Oh, pauvre, parce qu'il l'a dépensé avant d'avoir gagné. Mais il vivait de sa plume, lui. Il voulait vivre somptueusement de sa plume. Et en fait, il vivait toujours à crédit. Il a toujours vécu à crédit. Mais sa réputation de mec chaud avec les nanas, c'est une légende ou c'était quelqu'un qui, non, vraiment, comme un mec comme Kennedy, quand même, oui, avait non, des appétits vous savez, encore, vous, délirants. Allons dans la légende, vous connaissez, si j'ai plusieurs maîtresses, c'est par charité pour elles, hein, parce qu'une seule aurait rendu la bonne. Bien élevé en plus. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on lui prête, je suis pas sûr qu'il ait vraiment prononcé ça. Hein. Si on parle de Dumas, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Vous connaissez bien le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on a finalement caché, je ne crois pas qu'il y ait un autre terme, le fait que Dumas était petit-fils d'esclave, qu'il était, si j'ose dire, noir. Enfin, disons que c'était très ambivalent. Par exemple, il est évident que Mademoiselle Mars, la grande comédienne, etc., lorsqu'il était dans son salon, il quittait le salon, elle disait « ouvrez les fenêtres, ça pue le nègre ». Vous voyez, le genre de rapport raciste épouvantable qu'il a pu avoir, il a souffert du racisme. Mais par ailleurs, c'est aussi ambivalent, mais je suis sûr que c'est ambivalent aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il était aussi, ça donnait un pouvoir d'attraction compte tenu des fantasmes que faisaient naître les Noirs, etc. Gérard Miller a raison, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à l'école, oui, on nous fait lire du Alexandre Dumas. On n'apprend pas Dumas à l'école. Ah, si, si, on, ah, bien sûr. C'est bien sûr. On vous enseigne Alexandre Dumas, mais on ne vous dit pas qu'Alexandre Dumas était noir. Il a raison, Gérard Miller. Non, vraiment. Il n'était pas complètement noir. Non. Pardon? Il n'était pas noir, noir. D'accord, il était petit-fils d'esclave et Carteron, d'une grand-mère normande. Carteron. De Muriel Robin, noir, noir. Non. D'accord. Pas noir, noir. Jean-Bernard.
suis toujours fasciné par les cinglés monomaniaques. Monsieur est un cinglé monomaniaque extrêmement sympathique. Pas du tout. Mais, non, quand vous venez me dire, ça fait 35 ans que je suis à la Bibliothèque nationale à ne m'intéresser qu'à Alexandre Dumas. Attends, j'ai juste une question. Mais attendez, moi, je vous en veux pas. Moi, je m'intéresse aux toasters, aux aspirateurs. C'est aussi très intéressant. Je ne donne pas de leçons. Ce que je voudrais savoir, c'est, à part Alexandre Dumas, vous vous intéressez à quoi ? Je dirige, par exemple, la rubrique cinéma des lettres françaises. Ce qui n'a rien à voir avec Dumas, bien entendu. Et voilà, ça te promène, hein ? Il n'a pas... Jean-Bernard n'a pas complètement tort. Les gens... Mais il n'a pas complètement raison. J'ai un chat dans la gorge. C'est éradant, hein, Gérard, maintenant, avec l'âge. Jean-Bernard Jean-Bernard n'a pas complètement tort. Ceux qui travaillent à la Bibliothèque nationale sont souvent des gens très étranges. Je me souviens de cette anecdote, je vous assure qu'elle est vraie. J'étais dans la grande bibliothèque de la rue de Richelieu, où tout le monde travaille dans un silence quasi parfait. Et à un moment donné, d'un des étages, quelqu'un est tombé. On a entendu « Ah !» Et à ce moment-là, toute la salle a fait « Chut !» Ça dit quelque chose. Qui dit ? Ben moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, parce que je connaissais Dumas, mais pas profondément, superficiellement. Je veux dire, les grands romans comme Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, pour moi, c'était fini. Alors, vous qui êtes le spécialiste, en lisant. Ouais, enfin, vous y connaissez un peu plus que moi, en tout cas. Un peu plus que moi. Ça fait 35 ans. Et à votre avis, on va trouver des inédits de Dumas ? On en a trouvé, oui. Si on les a trouvés, ils ne sont pas inédits. Je parle du futur. Est-ce qu'il y a encore des choses ? Est-ce que vous êtes sur des traces ? Je vais vous dire, ce qu'on aimerait surtout retrouver, c'est des inédits Zidane. Non, j'avais une question par rapport à... Gérard parlait tout à l'heure de la couleur de la peau et j'ai trouvé une citation de Blondin qui disait « Dumas était le seul écrivain de couleur à avoir des nègres blancs ». Alors je veux savoir, quelle est la part de la négritude dans ce qu'écrit Dumas ? On dit même que le nègre lui-même disait que son nègre avait un nègre. Il était beaucoup aidé. C'est la fameuse se anecdote, je vais pouvoir répondre à Philippe Vandel et en même temps me répondre aussi. On raconte aussi même qu'un matin, alors est-ce que c'est de Dumas ou un autre, il y avait un feuilleton qui devait être publié et il apprend que son nègre est mort, que celui qui devait livrer le feuilleton est mort. Il dit « Oh là là, il ne va pas y avoir de feuilleton dans le journal » et il achète le journal le lendemain et il voit que le feuilleton est publié parce qu'en fait son propre nègre avait un nègre. Est-ce que ça fait partie de la légende ou est-ce que c'est vrai ? Ça fait partie totalement de la légende. Parce que quand on interroge à chaque fois Paul Lutzer, non mais c'est vrai, à chaque fois il dit « Mais oui, bien sûr, j'ai des documentalistes, des nègres, des gens qui travaillent pour que je fasse le bouquin, comme en avait Alexandre Dumas. » Est-ce que la comparaison est... La comparaison est absurde. Dumas avait un style avant d'entrer, d'avoir des gens qui pouvaient imiter son style. Il fallait d'abord se créer un style avant d'avoir justement des nègres, c'est cela. Alexandre Dumas, Le Chevalier de Saint-Hermine, c'est un roman publié chez Phébus, son grand roman perdu et retrouvé, comme c'est écrit sur le bandeau rouge. C'est signé Dumas, grâce à vous, Claude Chope. Merci. Génération 69, c'est un livre qui vient de sortir. Non, mesdames, ce n'est pas un livre sur les adeptes de la position du même nom. C'est le titre de l'ouvrage de Laurent Guimier et Nicolas Charbonneau, paru le 9 juin dernier chez Michalon. L'un est rédacteur en chef d'Europe 1, l'autre est grand reporter dans la même station. Et tous les deux sont trentenaires. On parle beaucoup de leur livre parce qu'ils en ont assez, disent-ils, d'être considérés, ils l'écrivent, comme une génération individualiste, désabusée, assez aussi d'être exclus des scènes politiques, médiatiques et culturelles, assez de subir l'héritage et la loi des pseudo-héros de mai 68, dont vous faites partie, Gérard Miller. Vive la génération qui suit, vive la génération 69. C'est un peu le cri d'alarme qu'il pousse. On va tout de suite, pour en parler, accueillir Laurent Guimier et Nicolas Charbonneau. Bonjour. Bonjour. J'ai regardé un peu votre âge à l'un et à l'autre. Il était temps. Qu'est-ce que vous faites, Gérard? Non, parce que je vais distribuer des Kleenex au public parce qu'ils vont nous faire pleurer sur leur génération. Donc je préfère que les gens. N'hésitez pas. Voilà, ça y est. Parti. Voilà, la génération d'avant, vous valez déjà la vedette. Je monopolise déjà l'image. Vous dites que cette génération, finalement, on ne l'a pas oubliée, mais elle est encore dominée par la génération précédente. C'est un peu ça le propos du livre.
C'est Albert Jacquard qui a la plus jolie formule nous concernant. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler, mais c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus proche de nos grands-parents, paradoxalement, que de nos parents. Et Albert Jacquard nous dit, c'est vrai que moi, quand je discute avec mes petites filles, elles me disent, elles ont 30 ans donc, elles me disent, mais vous êtes, on existe moyennement, on nous écoute pas trop, et vous êtes une génération oubliée. Et être oublié, c'est pire que tout, parce que mépriser, c'est pas très agréable déjà. Mais oublier, inexistant, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. C'est la génération qui n'a pas fait mai 68. On n'a pas fait la guerre comme nos grands-parents, et on n'a pas fait mai 68 comme nos parents. Vous arrivez juste à une période où c'était la fin des 30 Glorieuses, et c'est sûr que la France, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, s'est épanouie. Et après, vous arrivez, vous, bon, il y a eu la petite révolution de 68, des gars comme Gérard Miller, mais vous voyez le boulot, vous voyez le boulot. Mais c'est exactement ce qu'on raconte dans le bouquin, c'est qu'on est aussi les héritiers d'une société dont on n'est absolument pas responsable, et qui est quand même, qui a quand même été fabriqué par les 68 ans. Vous êtes entre la génération 68 ans et la génération Stevie. Exactement. Effectivement, mais c'est intéressant ce que dit Stevie, parce que Stevie dit, pour lui, 68, c'est de l'histoire, c'est dans les livres, etc. Alors que nous, on a quand même vécu sous ce magistère moral pendant toute notre jeunesse. C'était pas uniquement des livres d'histoire. Il fallait vous bouger les fesses, les mecs, parce que franchement, personne ne vous a empêché. Vandel. Moi, j'ai lu le bouquin. Je suis entre les deux générations, je suis en 62, donc j'ai pas fait 68, je connais ces gens-là, j'ai bossé avec eux. Je trouve ça absolument très intéressant. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi vous chouignez comme du Christine, puisque personne ne vous empêche. Vous dites, nous on est forts, nous il n'y a pas de raison qu'on nous méprise. Mais quand même, il faut bien reconnaître que même moi ça m'a fait bondir, ces mecs le 22 avril qui sont venus pleurer sur la présence de Le Pen au second tour, alors qu'ils n'étaient pas allés voter la veille, faut savoir, soit tu votes, soit tu pleures, mais pas les deux. D'abord, il y a une chose. Il y a d'abord une chose sur la politique. Génération d'après encore, ça. Non, c'est les mêmes. C'était les trentenaires qui étaient dans la rue, je les ai lus. On peut faire la même chose sur le 29 mai, mais on peut aussi en parler. Il faut voir aussi de quelle société politique on est les héritiers. On a grandi, nous, en politique, les 20 dernières années. Qu'est-ce qui nous a fabriqué qu'est-ce qui nous a intéressé ou pas à la politique? C'est Bernard Tapie à gauche, c'est Michel Noir à droite. Et excusez-moi, c'est aussi la génération des gens de nos parents. Mais non, on a grandi caricature. Dans ça. Comment voulez-vous après qu'on soit fou de politique, qu'on ait envie d'aller voter, qu'on soit des petits citoyens modèles? Mais c'est pour vous aussi. Mais non, c'est merveilleux, parce que dans le même temps, vous avez quand même connu aussi la chute du mur de Berlin, l'explosion de l'Union soviétique et des satellites autour. Donc il y avait plein d'autres événements qui aurait pu légèrement vous enthousiasmer. Moi, ce qui m'amuse en plus, c'est quand on voit vos carrières à vous deux. C'est-à-dire, vous nous jouez le côté, vous frappez la voûte du ciel avec vos poings en disant « Quand est-ce que ce sera nous, on croit l'international, nous ne sommes rien, soyons tout. » L'un est rédacteur en chef d'Europe 1, l'autre grand reporter à Europe 1. Vous avez des postes absolument assis dans la société. Gérard. Que vous méritez certainement. Cessez Gérard de Miller, faire pleurer Gérard Miller, en trouvant que notre génération s'apesantit un petit peu trop. Gérard Miller, il y a un mot qui est revenu sans cesse chez les gens qu'on est allé voir, c'est on est méprisé. C'est terrible d'entendre dire méprisé, ça. On est méprisé. Méprisé par qui? Méprisé par oublié. Quoi? Avec notre génération, vous avez un problème. C'est que grâce certainement au miracle de la science et aussi un petit peu à l'enthousiasme que nous avons connu, nous tenons encore le coup alors que nous avons 20 ans de plus que vous. Exactement. Ça, c'est parfaitement exact. Il faudrait que vous patientiez encore quelques années avant que nous soyons dans les maisons de retraite ou que nous mourions. Mais, mis à part ça, votre révolte est absolument insaisissable. Contre quoi vous vous révoltez? Contre rien du tout. Vous voudrez être intégré. On veut juste être intégré. Regardez, en politique, c'est dramatique ce que vous dites. Ça veut dire qu'en gros, un homme politique aujourd'hui qui a 60 balais, il porte beau encore, etc. Et à 80 ans, il sera encore sur son fauteuil à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a aucune raison que physiquement, il ait une déchéance et qu'intellectuellement, il ne soit pas bien. Sauf que c'est dramatique. Il y a combien de trentenaires à l'Assemblée nationale? Il y en a 3%. Alors on va nous répondre, mais c'est normal, parce qu'on ne devient pas député comme ça. Sauf que c'est unique dans l'histoire de la République. C'est la première fois que ça se produit. Il y a 25 ans, il y avait 20% de trentenaires à l'Assemblée nationale, de gauche comme de droite. Et c'est dramatique pour la politique et pour la façon de faire de la politique. Un seul mot d'ordre, une canicule pour les 68 tard, c'est tout. Jean Bernard. Moi, je ne sais pas comment je dois le prendre, parce qu'on parle des 68 heures, on ne parle que de Gérard Miller, et moi, c'est quoi? C'est 14-18 ou quoi? Bon. Alors, attendez, deux secondes. On va y venir, on moi, va y venir. Moi, je vais faire les petits cons, là. Parce que... attendez. C'est bien, c'est exactement ça. Voilà comment on nous tient. Voilà. Les petits cons. Alors, première chose, moi, je me sens très bien dans mes baskets sur le sujet, pour une raison très simple, c'est que j'ai fait pendant 20 ans une émission à la radio qui s'appelait « L'émission des jeunes cons d'aujourd'hui pour les vieux cons de demain ». J'ai répété ça pendant 15 ans, donc je me sens tout à fait à l'aise. Deuxièmement, là où je pense que vous avez entièrement tort, mais vraiment entièrement tort, c'est que le pouvoir, ça ne se donne pas. Le pouvoir, ça se prend.
Ça ne se décrète pas. Vous voulez des députés qui ont moins de 30 ans ? Qu'ils aillent mouiller la chemise. Mais ils le font. Vous voulez être directeur de radio, de télé ? Montez vos radios, montez vos télés. Arrêtez de dire « donnez-nous, donnez-nous ». Soyez meilleurs que nous, je vous garantis que demain matin, Laurent, il nous vire tous pour prendre que des mecs de 30 ans. C'est super facile. Sans hésiter. Quand j'ai commencé, il y avait 3 radios. D'accord ? 3 radios. Aujourd'hui, il y en a 1200. Crois-moi que pour faire sa place, il fallait en tuer des gens. Ou avoir un peu plus de talent. Moi, j'ai tué personne. J'ai tué personne. Isabelle. Si votre livre s'était appelé « Lamentation un peu pleurnicharde de deux jeunes mâles dominants du 8e arrondissement qui trouvent que les vieux dégagent pas assez vite », C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Ah, ça fait réagir au moins. C'est absolument pas ça. Oui, mais c'est pas ça que vous faites. Vous vous attribuez, en toute simplicité, génération 69. C'est beaucoup une génération. Et à partir de là, vous faites du journalisme pas très documenté. Il y a beaucoup d'amalgames, beaucoup d'approximations dans ce que vous écrivez, puisque finalement, vous reprochez à la génération des 68ards l'état de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais rien n'est plus loin des revendications des 68ards que la société d'aujourd'hui. Oui, c'est pas nous qui l'avons construite, cette société. C'est 68ards quand même. C'est justement ce que les 68ards craignaient, ce qu'ils dénonçaient sous le nom de société de consommation et qu'on appelle aujourd'hui libéralisme aggravé. Mais c'est ça, donc c'est le pire cauchemar des 68ards qui s'est passé après. Je vous signale qu'il y a eu mai 68, mais en juin 68, il y a eu des élections qui ont mis la droite au pouvoir pour de longues années. Donc c'est un petit peu une espèce de. C'est très journalistique, un peu comme les adolescents, les métrosexuels et tout. Et finalement, on trouve. Alors, vous trouvez quand même le moyen de chanter les éloges de votre propre génération avec un point culminant que j'ai trouvé extrêmement drôle. C'est vous les meilleurs baiseurs de la planète. Vous êtes les meilleurs sur le plan cul parce que vous avez des capotes en couleur et parce que vous allez dans des boîtes échangistes. Alors, j'aimerais juste dire un truc, c'est que dans toutes les générations, quelles qu'elles soient, quel que soit l'âge, il y a des gens, il y a des sombres crétins, il y a des opportunistes, il y a des gens formidables, il y a des gens intelligents et que cette façon d'amalgamer tout le monde, moi je la trouve, ça ne mène nulle part alors que ce que vous dites à certains moments est très vrai. Et puis des fois, c'est très faux. Quand on parle, puisque vous dites vous êtes les mâles dominants du 8e arrondissement, tadada. Non, c'est pas vrai. Nous, regardez, le chapitre qui vous a sûrement intéressé, qui est consacré aux femmes, et à notre vision à nous du féminisme, même si on vous égratigne un peu, là, c'est vous vrai. Dire, vous devriez pas y aller. Non, mais si. Si, là, ça, c'est dangereux. Ça, c'est kamikaze de votre part. On a le droit d'avoir un peu de courage dans cette génération aussi. Ça, on dit... Moi, je vais aller faire un tour, je reviens. Hein. Non, par simple pudeur et respect, je n'aborderai même pas ce chapitre-là. Mais donc, vous dites, nous incarnons quelque chose, et après, on n'a pas le droit de remettre en cause. Quand vous utilisez des arguments, vérifiez vos sources, c'est votre travail de journaliste. Je voudrais une petite explication de texte, parce qu'après tout, personne n'en parle, et comme nous sommes mis en cause, j'aimerais une explication de texte. Vous dites, les trentenaires sont toujours ceux qui n'ont rien compris. Ouvrez les guillemets. C'est la France de Ruquier. Une société en miniature. Autour de la table, on reçoit la mamie gâteau un peu dépassée. Elle n'est pas là. Je suppose que c'est Claude Sarraute ou éventuellement... Le tapis moralisateur est désabusé. Bénichou ou moi, je suppose. Très bien. La maman féministe. Maman, il a dit. La maman féministe. C'est la maman de personne. Le papa ex-Mao. Là, il n'y a pas de doute. Et toute une ribambelle, donc, les deux tantes rigolos, dessinateurs, journalistes, cinéastes. Et puis, il y a le jeune, parfait dans son rôle de crétin. Même lui va nous critiquer maintenant. Non, ça, je dois dire que c'est la partie la plus drôle du livre. Dès qu'on parle de lui, de toute façon. N'empêche, l'émission de Laurent, c'est la seule où il n'y a pas d'agisme, où il n'y a pas de jeunisme, il prend des gens de toutes les générations, alors je ne vois pas où est le problème. Il faudrait mettre que des trentenaires. Mais pas du tout. Ce qu'on veut, nous, c'est justement la transmission, c'est qu'on puisse se parler, c'est qu'on puisse débattre. On va revenir sur la génération de mai 68, parce que vous allez essayer de deviner grâce à Philippe Vandel. Expliquez-vous-même, Philippe. Je vais faire un petit quiz. En fait, comme vous êtes des observateurs fins avisés, je vais faire un quiz. Sur ce plateau, il y a deux jeunes qui ont connu 68 et même 69, c'est Gérard et Jean-Bernard. Alors, à l'époque, Jean-Bernard avait les cheveux longs et il faisait de la radio. On va le voir. Ça, c'est vous. Hein. Bah, c'est lui, c'est Jean-Bernard. Il était malade. J'ai toujours autant de poils. On peut le voir avec un chapeau. C'est quoi, c'est un tatouage des Stones. Là, c'est le même avec un chapeau. Il n'a pas l'air très content. Avec et sa bouteille Cooper, de whisky. Quand même. Ouais. Et Alice Cooper. Avec Mick Jagger. Et alors, je vous demande d'apprécier la coupe de cheveux sur la nuque. Il a beaucoup changé. Notre ami Jean-Bernard, voilà. Ah, en train d'embrasser les seins de Nicoletta, ça va quand même. Ça, c'était lui. Alors, Jean-Bernard avait les cheveux longs et Gérard, lui, avait des cheveux.
On va le voir. À l'époque, il faisait de la philosophie, pensant de la psychanalyse, oui. Le voilà barbu. On le voyait. Il ne l'avait jamais vu comme ça, Gérard. Extraordinaire. On peut le voir aussi avec un goût prononcé pour la pipe, voilà. C'est Gérard et son écharpe. C'est la une de match. Romantique, un garçon romantique sur une plage. Non, non, ah, c'est oui, pas possible. C'est extraordinaire. Mais ça, alors, ça te fout pas les boules de voir ça. Ou alors en collégien. Et de voir comment t'es devenu. Regarde ça. Oh, lui. Il est extraordinaire. Chacun à sa manière était un rebelle, je vais pas me moquer d'eux du tout. Laurent et Nicolas, je vais vous lire des citations et vous allez devoir me dire qui a dit. Est-ce Gérard ou est-ce Jean-Bernard? Qui a dit « Jagger ou Hallyday, ils auraient mieux fait de mourir beaucoup plus jeune plutôt que de vieillir comme moi » Jean-Bernard. C'est Jean-Bernard. Gérard ne dira jamais ça. Il ne fera jamais ça. Pourquoi y aurait-il un label pour la contestation? Je gagne bien ma vie, et alors? Gérard. Ça, c'est Gérard. Mais oui, c'est Gérard, mais, ah, mais vous êtes formidable. On n'a pas eu les questions avant. Hein. Je ne dis pas mon âge, je dis juste que j'avais 20 ans en 68. Ah. Ça, c'est très malin, et à mon avis, c'est Gérard, non? Quand c'est malin, c'est pas toi. Attends, le final. Non, mais dans la rhétorique, c'était sûr. Qui a dit « Je suis un vieux con et je l'assume » Ah, ça, c'est Jean-Bernard. Ouais. Petit, j'étais un teigneux. Gérard. Gagné. Bon, en tout cas, il fait parler, votre bouquin, ah, il fait oui. réagir. C'est ce qu'on veut. On veut débattre, parler. Merci à tous les deux. On, là, on vous dit merci. Merci. Nous allons maintenant accueillir l'actrice et productrice Mylène de Mongeau, qui au mois dernier a sorti Animalement Vôtre, un livre publié aux éditions Le Pré au Clair, ouvrage dans lequel l'actrice de Fantomas, des Sorcières de Salem et plus récemment de 36 Quai des Orfèvres nous fait partager 33 ans de sa vie passée aux côtés de son mari, Marc Simenon, et de toute une improbable ménagerie, d'où le titre Animalement Vôtre. En effet, l'actrice et le metteur en scène ont vécu en compagnie de chiens et de chats, bon, jusque-là c'est plutôt normal, mais aussi d'une lionne, d'un renard, d'une chouette, de plusieurs mangoustes et d'une buse. Ça devait sentir quand même curieux, elle va nous le dire. Chez eux, j'aimerais bien aimer savoir un peu comment ça se passait. Pour tester ensemble Animalement Vôtre et pour parler aussi de la carrière brillante de Mylène de Mongeau, la voici, Mylène de Mongeau. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous accueillir. Pour la publication de Animalement Vôtre, on va bien sûr dans un instant parler du contenu de votre livre. Mais moi, alors, je fais partie, puisqu'on parlait des générations avec nos invités précédents, moi je fais partie de la génération Fantomas, en fait. Et ça m'a fait plaisir, en travaillant cette émission et en préparant votre venue, de voir un peu votre filmographie, parce que d'abord, il y a des films qu'on a oubliés, mais de voir la carrière que vous avez eue, la chance, c'est une chance. Oui, elle est longue, oui. Elle et est aussi longue. Le talent de faire. Vous êtes plutôt fier de votre filmographie. Non, je n'ai pas fini, j'ai toujours l'impression que je commence. Je serais fier. Juste une demi-heure avant ma mort. Mylène de Mongeau, ça évoque aussi vos années cinéma, Gérard. Moi, je suis embarrassé parce que là, on voit vraiment que c'est une question de génération. Lui, souviens-vous dans Fantomas, moi aussi, bien sûr, mais je me souviens également de vous, car je suis plus âgé que Laurent, légèrement plus déshabillé. C'est-à-dire que pour le lycéen que j'étais, vous étiez quand même un des sex-symboles de... En photo, j'ai fait beaucoup de photos... sexy, glamour. Ouais. Je suis très impressionné de vous voir. Parce généralement, que c'est une carrière. C'était punaisé sur les. Hein, ouais. Et elle tenait toute seule. Ouais. Il n'y avait pas besoin de punaise avec Gérard. Ce qui est très agréable à lire votre livre, c'est de s'apercevoir à quel point une vie peut être remplie et évidemment pas terminée. À quel point, justement, dans la variété, elle peut être remplie, y compris dans ce qui est bien sûr un des aspects majeurs du livre, dans vos engagements d'aujourd'hui. Merci, c'est ce que je pense. Mmh. Merci beaucoup. Christine. Enfin, jusqu'au bout. Ouais, moi, j'ai bien aimé ce bouquin. J'ai beaucoup aimé. Attends, elle écrit un truc. Elle reprend une phrase de l'écrivain Gabriel Garcia Marquez, que je trouve absolument formidable. Elle dit « La vie n'est pas ce qu'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient. » C'est formidable. Et je trouve que c'est, tout d'un coup, moi qui raconte sans arrêt des bobards, tu vois, j'ai envie de dire « Mais oui, c'est comme ça, les souvenirs. » Autrement, ça n'a aucun intérêt, en fait. Mais non.
Alors, il y a un truc... Bon, en fait, les animaux, c'est un peu un prétexte. Oui et non, c'est racontez... une grande partie de ma vie. C'est, ouais, c'est mais un vous échange racontez conséquent. Quand même beaucoup votre vie beaucoup. Avec Marc. Oui. Vous le rencontrez, il a une jaunisse. Oui, il l'adore. Il a eu une jaunisse après notre rencontre. Voilà. Et le docteur a dit que c'était probablement l'émotion du coup de foudre. Et donc, il est hospitalisé 2 mois. Oui. Et vous passez 2 mois au pieu avec oui. lui. Dans un lit de clinique de 80 cm de large. Et c'était très agréable. Et... une très jolie façon de raconter cette histoire d'amour. Moi, ça m'a plus touchée, en fait, votre histoire d'amour. Que les animaux. Que les animaux. Mais est-ce que vous les aviez tous en même temps, ces animaux-là que j'ai cités? Non, c'est pour ça que je dis que c'est sur 30 ans de vie voilà. Que ça se déroule. Autrement, c'est vrai que ça fait un condensé terrible, mais ça n'est pas le cas, quoi. Ouais. Le lion, par exemple, vous pouvez raconter? Le lion, quel homme. Comment on le arrive lion... à avoir un lion chez Alors, soi? Alors, le lion, c'est mon espèce d'enfoiré de mari. Hein, j'avais été pour François faire une photo avec 2 amies actrices. 3 petits lions, je rentre à la maison et pendant le déjeuner, je dis bêtement, comme ça, « Ah, tu sais, Marco, le comte de la Panouse, a dit que chaque marraine, si elle le voulait, avait envie de son lion. » Alors, voilà, puis j'embraye, je bois un coup et je continue. Et il me dit « Mais tu l'as pas pris ?» Et je dis « Non, je l'ai pas pris, qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'un lion, quand même ? Je suis pas folle. » Mais enfin, mais tu vas téléphoner tout de suite, mais je le veux, mais je l'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu un lion, j'ai rencontré un lion un jour sur les quais, le lion m'a léché les mains, je sais que j'ai un contact avec les lions, je le veux. Et j'ai tout essayé, y compris de l'emmener au lit pour faire une sieste crapuleuse en me disant ça lui sentira le lion de la pour tête. Pour le faire rugir de tout. Plaisir. Oui, et ben ça l'a occupé pendant une demi-heure et puis après il, ah, c'est il pas a mal. Mis ça sur le tapis et puis ça a recommencé et il m'a eu. C'est un bébé. Mais c'est bébé, mais bébé c'est quand même déjà gros comme un gros berger allemand. Combien de temps bébé. Vous l'avez gardé? Jusqu'à l'âge de 8 mois. Stevie. Alors là, du coup, je vous connaissais vraiment parce que j'ai regardé de nombreux sangs à Fantomas et franchement, vous n'avez pas changé de visage. J'ai quelques années en plus. Ouais, mais non, en rentrant, quand on vous reconnaît tout de suite, enfin, je vous aurais croisé dans la rue, que je vous aurais tout de suite reconnu. C'est bien. Enfin bref, voilà, beau, tout ça pour vous dire ça. Et le livre, oui, j'ai adoré parce que j'ai des amis qui ont des boas, enfin un boa, crocodile, donc je sais ce que c'est. Il paraît que vous avez eu un petit âne quand vous étiez petit. C'est le rêve de ma vie, ça, d'avoir un âne. Oui, mais en plus, hein. En plus, hein. J'en ai un en plus aussi. Non, mais ouais, j'aime bien. Moi, je pense que vous êtes profondément gentil, parce que les gens qui aiment les animaux, c'est les gens qui ont du cœur. Isabelle. Ce livre est extraordinairement sympathique. Je crois parce que vous êtes sympathique, mais parce que vous auriez pu faire un bouquin sur vos films. Et au lieu de ça, vous faites une chronique d'animal en animal. À la fin de chaque chapitre, vous avez la description de l'animal en question. Et d'ailleurs, vous poussez le vice jusqu'à finir. Ça, l'éditeur. J'ai pas ah non, c'est très rigolo, parce qu'en plus, le tout dernier chapitre, c'est vous définissez ce qu'est un homme. Hein, c'est pour votre mari que vous dites ça? Non, c'est moi, ça. Et moi, j'en ai retenu le chapitre que vous faites sur les cigales. Oh, mais cri-cri. Et c'est un chapitre vachement sympa parce que vous dites qu'un jour, des enfants avaient peur d'une cigale et que vous leur avez appris à leur caresser le ventre pour les faire chanter. Et vous dites, je vous raconte cette petite histoire parce qu'elle m'a fait constater une fois de plus que la peur vient de l'ignorance. Et la violence vient souvent de la peur. Donc, vous proposez dans votre livre quelque chose que je trouve génial, c'est dès la maternelle, de mettre les enfants en contact avec des animaux pour leur apprendre justement à élargir leur vision vie, respect, de ce qu'on les peut autres. Aimer. Ce bouquin est formidable. Voilà, ben, merci. Vandel, moi, ce que j'aime beaucoup... Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'avais une question pour vous, parce que d'où vous viennent toutes ces idées? Vous avez une mangouste qui s'appelle Toto, une chouette Fifi. Vous avez mis une titine et une titine 2, c'est dingue quand même tous ces noms. Alors, d'où ça vous vient? Eh ben, c'est souvent venu de chansons, par exemple titine, comme elle foutait tout le temps le camp, ouais. Parce que les mangouches sont après des... titine. Voilà, exactement. Voilà. C'était je cherche après titine et je partais dans les bois en rigolant. Marguerite, c'était si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Et c'est un peu comme ça. Et Fifi, bah, ça devait être Fifi la plume ou je sais pas ou je sais quoi. C'est voilà. Des réminiscences, c'est marrant. Jean-Bernard. Alors, vous me voyez extrêmement déprimé. Oh. Parce que je m'aperçois que j'ai les mêmes fantasmes juvéniles que Gérard Miller. Effectivement, vous avez aussi peuplé mes nuits il y a quelques années. Vous Quelle étiez merveille. Et vous êtes toujours. Et vous avez ravivé ma passion dans 36 Quai des Orfèvres, où je vous ai trouvé absolument extraordinaire. Et c'est une immense injustice que vous n'ayez pas eu de César à cette occasion. Cette photo, regardez voilà. Cette photo. Voilà. On s'arrêtait, on disait magnifique. Alors justement, moi, c'est une chose qui m'a un petit peu étonné ou choqué, c'est que vos animaux dorment avec vous.
vu la femme que vous êtes, on ne fait pas que dormir quand on est couché. Et donc, vous voulez dire que tous ces animaux ont assisté à tous vos ébats? La mangouste, ils ont eu une discrétion exemplaire. Ils n'ont jamais rien dit. Ce que les mangoustes ont à raconter. Un jour, elles vont faire un livre, toutes vos mangoustes. Les mangoustes, on les sortait parce que c'était infernal. Ah oui, parce qu'après, elles jouent avec. Elles ont un nez très fin, elles doivent renifler les phéromones, il fallait vraiment les sortir. Et même les mettre loin. Parce que si vous les mettiez derrière la porte, on les prenait, on les amenait carrément de l'autre côté. Mylène de Mongeau, Animalement Vôtre, c'est au Pré Auclair. Ça permet en tout cas un retour non seulement en librairie, mais on l'espère aussi sur les écrans de cinéma. Je pense qu'après votre prestation dans 36 Quai des Orfèvres, vous devriez avoir quelques... Je fais deux films en ce moment. Deux films en ce moment, voilà. Le retour de Mylène de Mongeau au cinéma, on est bien contents. Et en librairie, avec Animalement Vôtre. Vous aimez la musique? C'est trois CD. C'est Jean-Bernard Hébé qui va nous en parler de ces trois compacts disques. On commence peut-être par Gorillaz, Jean-Bernard. Un mot avant qu'on regarde un extrait du clip. Alors, bon, vous savez, c'est un groupe qui n'existe pas. En fait, c'est le chanteur de Blur, le fameux groupe anglais, qui, comme il s'ennuyait entre deux albums, a décidé, avec un de ses copains qui faisait de la bande dessinée, de faire quelque chose de façon anonyme. Tu parles anonyme, il a vendu 8 millions d'albums du premier. Là, il vient d'en refaire un deuxième. C'est formidable, à part que c'est la copie conforme d'une chanson des Kings qui s'appelait Sunny Afternoon. L'album écoutez. S'appelle Sunny Demon Afternoon. Days et la chanson Feel Good Inks, Gorillaz. Mylène de Mongeau dit qu'elle aime bien. Isabelle Alonso. Vachement bien, ça file la pêche, vraiment. J'adore. Gérard Miller. C'est fabriqué, mais c'est réussi. Fabriqué, mais réussi. Voilà. Vous le retenez peut-être, on vous en propose un autre. Jamiroquai, tiens, qui était il n'y a pas longtemps chez Thierry Ardisson. L'album s'appelle Dynamite. On regarde un extrait, vous en parlez après. Just Like It Should, c'est l'extrait de la chanson qu'on vient d'entendre. Moi, je suis un grand fan de Jamiroquai, c'est le Stevie Wonder blanc, c'est formidable. C'est toujours Jamiroquai, c'est fait pour danser, c'est... et alors les clips sont extraordinaires. Mais je comprends qu'on n'aime pas ça ou qu'on ait l'impression que c'est du déjà entendu. Sauf que c'est pas son meilleur. Ah, vous connaissez bien Jamiroquai? Oui, quand même, oui. Stevie? Moi, je suis fan de tous les disques. C'est donc vrai? J'adore. Ah ouais, j'adore. Christine? Moi, j'aime pas du tout. Comment vous faites pour pas aimer ça? Comment vous faites pour aimer tous Jamiroquai? Parce qu'on a écouté. On passe à un chanteur français, Jonathan Serrada. L'album s'appelle La Preuve du Contraire. C'est un tout nouvel album. La chanson Mon Paradis. On regarde un extrait du clip. Mon paradis, c'est ici que je veux qu'il soit. Je me suis promis une vie de rêve, j'y crois. Sylvie, vous adorez. Allez, Jeanne adore. J'adore. J'aime bien la musique, j'aime bien le clip et j'aime bien le mec. Alors comme ça, c'est une complète. Alors, Christine. Alors moi, je trouve qu'il est très mignon sur la photo, mais alors j'aime ni sa musique, ni ses textes, ni rien. Oh. Mais j'aime beaucoup le garçon. Jean-Bernard. Alors moi, je vais tout vous expliquer. Ce matin, en préparant l'émission, en prenant mon petit déjeuner, je mets ça sur la platine. Et mes filles, 7 ans et 8 ans, prennent le petit déjeuner avec moi. Et je passe la première chanson, la deuxième chanson, puis je dis bon, ça va. Je vais à celle qu'on passe. Je reviens à table et je dis alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit alors la première, 0, la deuxième, 1, la troisième, 0. Je dis mais c'est quoi ces 0 sur un échelon de 1 à 20? Elle me dit non, tu sais, c'est comme dans le qui a déconné à la fin. 0, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, j'ai dit bon, d'accord, c'est vous qui avez raison. Donc mes filles ont adoré et moi j'ai passé. Bordel. Voilà. Moi c'est pas musique, mais pourquoi ils chantent comme Fogiel? Mon paradis, c'est Fission. Pourquoi ils chantent comme ça? Isabelle Alonso. Oh ben il est belge comme je suis bourguignonne, alors je lui souhaite bonne chance.
Il ne sera pas dit que la génération des 68 tard se coupera des jeunes générations ici présentes. J'adore Jonathan Ferrada. Christine, vous n'aimez pas ça du tout? Non, pas du tout, mais j'aime pas. Mais comment... pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Parce que je trouve que c'est entendu mille fois, ça ressemble à tout ce qui existe déjà. Attendez, une seconde, on va la huer. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de faire venir Jonathan Ferrada. Salut Jonathan. Tu vois les Texans? J'ai tout entendu. La seule qui n'a pas compris, alors qu'il y avait le club des fans dans le public qui était là à réagir au moindre propos. Tout le monde avait deviné qu'il était caché en coulisses, sauf une qui, alors qui n'entrave que dalle. Alors. Mais alors vous êtes tous des fauchetons alors. Tu vois, vous en avez des radars, c'est non, tout. Non, mais vous, alors écoutez, si vous le saviez, bien sûr, moi si je l'avais su, j'aurais dit que j'adorais. Une faux cul alors. La vie est formidable. Ce que tu veux que je fasse maintenant. Une question, de toute façon, moi, je vais vous dire un truc. Maintenant, je suis dans la merde parce que j'ai pas aimé. Non, voilà. Mais vous avez non, écouté une l'album. Seule chanson, celle-là. Ben voilà. Jean-Bernard. Non, d'abord, moi, j'ai lu tout ce qu'il y a au dos. Mais alors, il remercie la critique. Alors là, tu vois, tu n'as pas de souci à te faire. Il dit merci à la critique, bonne ou mauvaise, elle me rend plus fort chaque jour. C'est ça le plus important. Donc. Il est déjà plus fort grâce à toi. Bon. Deuxièmement, il remercie la Belgique. Il remercie tout le monde. Il remercie Mais Dieu, il a trois pays, père, la Belgique, la France et l'Espagne. Il est formidable. Moi, j'ai regardé un peu avec qui vous avez travaillé sur cet album. C'est Jérémy Chatelain. Ouais. C'est lui qui a travaillé sur quelques-unes de vos chansons. Voilà, il a écrit deux chansons. Et ben, je conseille à tous les gens d'écouter particulièrement ces deux titres parce qu'ils sont formidables. Il y a une chanson qui s'appelle Ruban Noir qui parle des attentats du 11 mars à Madrid qui m'ont beaucoup touché, évidemment, parce que ma famille est originaire de là-bas. Et une chanson en hommage à mon grand-père, parce que qui a quitté le régime de Franco pour... Ah, ouais, le mien aussi, ah, bah alors voilà, et ça va mieux. Il y a une chanson d'Henri Salvador aussi. Ouais. Alors, magnifique cadeau qu'il m'a fait. C'est une chanson qu'il n'avait pas chantée lui encore. Qu'il a écrit pour moi, et il m'a coaché, et on a travaillé ensemble sur cette chanson, et bah voilà. C'est un beau cadeau. Nouvel album de Jonathan Ferrada, la preuve du contraire. Je ne vous ai pas demandé, Mylène, je ne vous ai pas demandé votre avis sur Jonathan pendant qu'il était en coulisses. Je suis prudent avec les invités. Mais maintenant, il faut faire un choix sur les trois. Et devant, Jonathan Ferrada. Oui, mais moi, je veux ça parce que je veux danser le matin. Gorillaz. Je me réveille, c'est je pas gentil. Gorillaz, hein. Pour elle, c'est normal. Mais parce que j'ai entendu, en tout cas. Ah, c'est Gorillaz. C'est qu'elle va vous engueuler, en plus. Ah, bah, là, il faut me donner aussi son album, alors. Je lui donne, qu'est-ce que je fais? Bah oui, pourquoi allez, pas. Je lui donne, allez, voilà. Je garde Jamiroquai, je suis pas con. Jonathan Ferrada, nouvel album. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. La preuve du contraire. Ticket déconné. Je vous propose ce soir Dominique de Villepin, qui a déjà 100 points. Le Premier ministre, pourquoi? Parce que quand même, le jeu qu'il nous a joué ce week-end au congrès de l'UMP face à Nicolas Sarkozy, c'était quand même énorme. Après s'être déchiré dans la presse les semaines qui précèdent, là, d'un seul coup, c'est un grand amour entre le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'était pas trop quand même? 0, 10, 20 ou 30 points, Gérard. Vous savez que ça n'est pas ma tasse de thé politique, mais je lui mets 0 points. Je ne suis pas pour l'accabler tout de suite, franchement. Isabelle? Il faut qu'il fasse attention parce que c'est un jeu dangereux. Alors réagis Dominique, sinon sarcotonique. Il y a une phrase de Clémenceau que j'aime beaucoup, il disait « Si je dis la vérité, j'aurai des ennuis. Si je mens, j'aurai des ennuis. » Alors autant dire la vérité. Donc je mets 30 points pour la fausse d'Hercherie. Jean-Bernard Hébé. Dans les années 70, il y avait un couple de comiques qui s'appelait les Frères Ennemis. Ça s'est très mal terminé, il y en a un qui a disparu. Ça va être la même histoire. Je l'ai retrouvé. Très bon. Christine. Bah Vandel, c'est ce que j'allais dire, c'est pas tenable, tu vois. C'est, du coup, t'as plus envie de croire à rien quand tu vois des mecs se battre et après s'embrasser. Je déteste ça. Stevie. Moi, 30 points, j'attends toujours mes 45 millions d'euros. C'est quoi vos 45 quoi, millions d'euros? Bah, le tramway du Mans. Oh. 30 points, Mylène. Est-ce que vous avez consulté Jonathan?
Pas encore. Non, mais je préfère pas me mêler de ça. Vous laissez Mylène de Mongeau. 30 points, pourquoi? Parce que j'ai cette espèce de guéguerre entre deux chefs m'insupporte et je préférerais qu'ils s'occupent de l'évolution de la planète et de tous les problèmes de santé qu'il peut y avoir. Cette guéguerre ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Ouais. Total pour Dominique de Villepin, 180 points pour Dominique de Villepin. Je vous propose maintenant David Beckham. Pourquoi? Parce que dans Voici, on nous montre une photo incroyable de David Beckham faisant du pied à la femme de son ami sous la table pendant que sa femme, à lui, Victoria, est à côté. Là, vraiment, Gérard. Moi, je mets zéro point. Je ne suis pas du tout convaincu par ce type de photo, franchement. C'est exactement comme si tout d'un coup je me tourne vers Isabelle, je lui dis quelque chose à l'oreille, on photographie, il fait un baiser à sa compagne. Non, c'est pas vrai, ce sont des photos dégueulasses. Voilà. Isabelle Alonso. Qu'est-ce qui vous dit que sa femme n'est pas en train de faire pareil au même moment, mais de manière un petit peu plus maligne, sans que le photographe le voit. Vandel. Moi, je vois pas pourquoi on mettrait... On pénaliserait quelqu'un qui fait du pied à sa camarade. Jean-Bernard. Je ne vais pas vous satisfaire, moi c'est zéro, parce que pour un footballeur, c'est normal qu'il fasse des passes. Christine, mettez des points, des points. Zéro, écoutez le pauvre, attendez, il a déjà eu plein d'affaires avec des nénettes inconnues, là. C'est plus facile de draguer une copine, tu vois, au moins. Ça reste en famille. On demande des points, je lui mets. Moi, je vais être clair non, avec lui. Non, t'as pas le droit. Je lui mets 30 points parce que c'est un salaud de footballeur. Voilà, voilà 30 points, merci Gérard, je les prends. 30 points, changement de vote. Stevie. Ben moi, zéro point, parce qu'elle a bien de la chance, la meuf en qui touche. Bon, ben, comme c'est pas moi, je mets 10 points. Hein. Très bien, 10 points. 30, bravo Jonathan, bravo Mylène. 30 points, c'est dégueulasse de faire ça. Non, moi je m'en mets 30 points parce que je m'en fous qu'il fasse du pied à une nana ou pas, mais j'en ai vraiment rien à cirer. Alors voilà, pff, rien. Total pour David Beckham, 70 points. Il en a comme ça 290. En librairie, le livre de Mylène de Mongeau, Animalement vôtre, c'est au Pré au Clair et chez tous les bons disquaires ou dans les grands magasins, évidemment, Jonathan Serrada, la preuve du contraire, c'est son nouvel album. Merci à tous les deux de nous faire la bise quand même. Voilà. Bye bye, à demain.